Salut à toutes et à tous les amis, c'est Madkiller et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur les sursauts de Larry, Love for Sales ou Drague en haute mer pour les Français. Donc on est dans la salle de repos, alors j'ai tout regardé je crois. C'est simplement l'un des haut-parleurs utilisés pour diffuser des annonces de bord. Et c'est tant que tu voudras, tu n'entendras rien dans le haut-parleur car il est silencieux pour l'instant. Belle paire de portes. Oh, si on m'avait donné 10 balles... Oh, sentez-moi ça. Si on... Ah ouais, oui, tu préférerais boire de l'eau marécageuse rance. Une petite flaque brûlée tapisse le fond de la cafetière. Ouais non, c'est tout dégueulasse ici. Les armoires sont... Tu n'as pas besoin d'ouvrir ça. Tu n'as pas besoin. Ok, donc. Là, c'était pour le concours d'élégance, je crois qu'il fallait faire. Alors, je regarde vite fait. Blablabla. Allez sur la passerelle. Donc, on va aller sur la passerelle. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je compte pas faire durer cette série super longtemps. Comme Fantasmagoria, en fait. Je compte vraiment. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je compte vraiment pas la faire durer longtemps. J'aime beaucoup les sursauts de Larry, mais ça vaut pas le coup de durer 120 heures dessus. Je peux avoir de la purée de haricots ici. Oui, voir. Il faut que je regarde sur le plan parce qu'il faut que j'aille sur. Il faut que j'aille où déjà? Tac tac tac. Sur la passerelle. Où la passerelle? La promenade, pour arrière. Passerelle, ça va. Ok. Ah. Je me demande, c'est pas pour m'indiquer qu'il y a un dildo. Enfin, un vibro. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je regarde. J'ai pas l'impression qu'il soit là. On ne sait jamais. Un gilet de sauvetage peut s'avérer utile. Bah, ça veut dire qu'il faut que je le prenne? Essaie. Impossible. Il n'est là que pour décorer. Il est con. Quoi grimper? Les voiles sont en polyester blanc, tout comme on l'a remarqué mon costume. Alors il est bien, c'est ça. Alors, ouais, je peux pas le prendre. Donc ce que je vais faire, c'est descendre pour l'instant. C'est noir et mouillé, avec des taches blanches mousseuses, un peu comme ton slip. Alors, voyons voir qu'est-ce que je peux faire ici. Je sais pas. Oui, par ailleurs, ouais, je disais, je terminerai vite et j'espère le terminer assez rapidement parce que j'ai très très envie de faire des vidéos sur Fallout puisque Baka 969, je me souviens plus, c'est 696 969, m'a offert et je le remercie grandement et je te remercie encore, mec. M'a offert le pack sur Steam de Fallout, donc Fallout 1, 2 et Tactics. Donc on fera le 1, le 2 peut-être beaucoup plus tard je pense, parce qu'il faudrait peut-être laisser d'autres séries se faire entre temps. Puis Tactics je connais pas du tout, alors faudrait que je regarde. Le 2 je le connais, le 1 je connaissais le nom mais j'ai jamais... Bon, ce que je vais faire c'est rentrer là. On peut voir à l'intérieur de la timonerie... Ah, qui gouverne le navire? On est sur pilote automatique. Ah bon? Salut. Yeah, baby. J'ai trouvé 20. Alors... Je déteste les chiens.
Putain, c'est vraiment le bordel. Et ce bateau là, c'est. Croire que les marins ne boivent pas pendant le service. Qui pourrait. La passerelle est remplie d'équipements, d'instruments et d'ordinateurs sophistiqués et d'incendos. Tout navire digne de ce nom possède des dés en mousse. À quoi servent radar et pilote automatique hors de prix quand un sando peut aussi bien faire l'affaire, parfois. Nom de Dieu. Je peux rien faire dans quel chien. Est-ce que je m'achassisse sur moi? Je crois que j'avais récupéré une saucisse. Non, j'ai pas de saucisse. Il faut que je retourne voir l'autre, l'autre en bas, je pense. Simplement. Par contre, ouais, j'ai récupéré un tournevis. Alors, ce que je vais faire, voilà. C'est... Inventaire. Voilà, tournevis. Ah non, bien. Ça marche comme ça. J'ai du mal à y faire quand même. Hein. Bonne idée. Voyons voir ce qu'il y a dedans. On dirait que tu as trouvé le fusible du système de sonorisation du navire. Étrange combinaison de circuits, non? Ça doit être le fusible du moteur qui plie et déplie les voiles. Je pense qu'il faut que je déplie les voiles. Donc, je sais pas comment on fait. Alors, attends. Qui l'eût cru? Un câble de liaison avec. Ah, j'ai pigé! Allô, l'ami là pour que je puisse tricher. Pas de bol, pauvre Paul. Tu n'approcheras plus une machine à sous avant Leisure Suite Larry 12. Waouh! Oh, vous êtes vraiment un crack, vous, hein? Votre attention, s'il vous plaît. Tous les participants inscrits dans le concours Jambes de Chien doivent immédiatement se présenter au salon du pont B. Alors, venez voir. Merde, ça s'appelle comment ça? Voilà. Et si je connectais ces deux circuits ensemble, ça ne créerait pas de problème? Étrange combinaison. Étrange. On dirait que tu as trouvé le fusible du. Alors maintenant, faut que je remonte en haut. Et que j'attende une voix, évidemment, pour que ça déplie les voiles en fait. Parce que dès que ça va parler, évidemment, ça va déplier puisque ça va faire un courant électrique. Monsieur David, rendez-vous à votre massothérapie immédiatement. Monsieur David. Les voiles sont en polyester blanc, tout comme ton costume, Larry. Il a remarqué mon costume. Alors il est bien, c'est ça. Donc maintenant, je vais chercher de la saucisse pour le chien. Allez! On y va, on est fort, on est beau, on est frais. Le tableau du concours Capitaine Belkis permet de montrer la progression relative des participants en tête. Tu ne t'en sors pas très bien. Il y a un tableau, je sais même pas. Alors, tac, 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 on va faire vite, jeu, plan. Faut que j'aille au restaurant. Il était où le restaurant? Il était par là, je crois. Donc c'est le concours. Restaurant. Où est-ce qu'il est ce putain de restaurant? Cuisine, ça va être. Non, ça va pas être là. J'aille au restaurant. Bon, on va dire cuisine alors. Pourtant j'y suis déjà allé au restaurant, je me trompe pas quoi. Et tu ne devrais jamais regarder non plus comment les lois sont faites. Oh, il y a encore le cul du porc. Ah,
c'est pour ça que le dîner a été servi en retard hier. Tu as toujours trouvé attrayant le concept du papier de tumouche. Tu peux utiliser le four pour cuire un plat. Jolie casserole. Ah oui, elle est rock'n'roll. J'ai beaucoup aimé le badumtzi. Attends, on va la refaire. Tu peux utiliser le four pour cuire un plat. Tiens, c'est lui. Yeah, baby. J'aime beaucoup la musique. Ah, il y a un chien. Non, pas Fifi. Vraiment? Même Don Munzil n'en mangerait pas. Je peux rien faire? Non, pas Fifi. C'est génial. C'est un poisson enveloppé dans un vieux numéro du magazine Le Joyeux Bûcheron. Ah, bien. Mon abonnement vient de finir. Putain, il est où ce putain de restaurant? C'est pas... Non, pas l'inventaire. Enfin, si, il est là aussi. Non, c'est là. Voilà. Ah voilà, c'est là. Oh mon dieu, regardez. Il bave dans ses plats. Donc il faut que je prenne quelque chose pour donner au chien, je le sais, mais je sais pas quoi prendre. Du coup, si je peux pas récupérer. Ah, mais si, c'est là. Oli est le maître d'hôtel du PMS Bounsy. Ouais, j'y suis déjà passé la dernière fois, alors attends, attendez, où est-ce que... Blablabla... On peut lécher la sculpture, alors attends, j'ai pas fait ça. Il m'a langue des collègues. Plusieurs panneaux décorent. Cette porte est fermée. Ouah. Plusieurs panneaux décorent. Ouah. On trouve vraiment de tout sur le bateau. Plusieurs panneaux ornent la porte. Accès interdit au public. Entrée interdite. Ouais, ouais, c'est bien beau tout ça, mais je dois faire quoi, écoute. La purée de haricots, ça c'est du couscous. J'adore la fanfalique sur champignons. Je ne peux pas manger ça. Où est-ce que... Alors, attendez, il est marqué, il faut que je mange de la purée de haricots. Je veux bien, mais... Arrête de te mettre des choses dans la bouche. Arrête de te... Ah, c'est là-bas, d'accord. J'adore la purée de haricots. Ce n'est pas parce que c'est à volonté que tu es obligé de te rendre malade. Et pourquoi pas? Je ne crois pas que quiconque fera attention à cette minuscule Louise. Ok, donc là, je larguais une caisse. Est-ce que ça va faire quelque chose? Ah, d'accord. Wow, cette sauce aux haricots est vraiment efficace. Ah, peut-être que je peux réchauffer la statue, en fait. Et donc, la faire fondre. Ah oui, d'accord, attendez. Je vais en reprendre un coup. Et voilà, je vais en manger pour avoir l'action pétée. Alors, l'action pétée, peut-être plus finalement. Ce n'est pas parce que c'est à volonté que tu es obligé de te rendre malade. Et pourquoi pas? Je vais me rapprocher de lui.
Waouh, cette sauce aux haricots est vraiment efficace. Que servez-vous? Nous avons quand des frites. De Dieu, il n'y a pas le feu au lac. Vous êtes sourd ou bien? Oui, oui, j'ai compris. S'il vous plaît. Voilà, patron. À l'ancienne, quoi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai ou bien? Ça fait un moment que je vous le dis, c'est du corps de tripe. Oh, de la viande en boîte. Oh, c'est aussi frais qu'à la maison. C'est tout comme la cuisine de maman. Très bien, patron. Maintenant, vous partir. Et c'est quoi cet accent? Ah, je savais bien que je pourrais pas le tenir. Vous voyez, je suis chinois, mais mes parents étaient des missionnaires bouddhistes. Et j'ai grandi du côté de Lausanne, ou bien? Les gens me regardent bizarrement quand je parle normalement comme ça. Alors donc, j'ai trouvé plus simple de parler comme un mauvais imitateur de Charlie Chan. Hein? Parler trop, autre personne, belle cornet de tripe. C'est clair, ou bien? Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Attention, s'il vous plaît. Karine vient de remporter la compétition des chasses sauteuses les seins nus. Hop là, Karine. Donc, faut que je lui redonne. Viens d'un... Oh là. Cornet de tripe. Donc là, j'en bouffais comme un porc. Attention de ne pas dépasser la quantité quotidienne maximale. Les avertissements sur le mode de cette. Oh non, pas assez cornet de tripe. Toi ou. Comme Oli ne regarde pas. Arrête de menacer les gens. Tant que tu as dit. Arrête de menacer les gens. Tu veux te battre? Achète Warcraft. C'est juste trop bien. Normalement, je peux retirer la lampe, c'est ça? Je me souviens plus. Je regarde. Ouais, c'est ça. Ok, mais il faut d'abord le laisser refroidir. Poum, 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 poum. Ben voilà, tu peux y aller maintenant. Aïe! Oh! Oh! Chaud, 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 chaud! Oh! Chaud, brûlant! T'as plutôt aimé, hein? En bon mazo. C'est sous la vitrine de protection. Tu as mangé autant de cornet trips. Tu veux dire que j'ai trop bouffé? Non, mais tu as bouffé tout le cornet trips disponible. Bien. C'est dégueulasse. Alors, attends, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah bah ouais, j'ai fait un trou dans la voile. Ah ouais, c'était tellement évident, tiens. Une fichier... Non, c'est pas ça. De toute façon, il est bientôt à 20 minutes, là ouais. Donc encore 10 minutes et puis on s'arrêtera là. Voilà la carte. C'est de la carte. On retourne à la passerelle, on remonte et cette fois-ci je vais découper les... Découper la voile, vous allez voir. Ça va être super fun. J'espère. On va voir ça ensemble, de toute façon. Oh non! Oui, on y rend du boulot, on y rend du boulot! Le buffet de minuit Victuailles à Gogo se déroulera dans le restaurant jusqu'à 3h du matin. Rejoignez-nous quelques heures plus tard sur la dunette des Anses pour le petit déjeuner. Nous poursuivrons à 10h par un brunch au restaurant. Pourvu qu'il fasse rapidement une autre annonce pour que je puisse sortir de là. C'était la dernière annonce de la soirée. C'est juste énorme. Merde. Oh putain. Oh la vie de merde. La merde. Oh putain, y'a un dido.
sur la promenade. C'est le pape qui pilote le gros camion. Observez-le affronter l'évêque défoncé, nitro alimenté. Nous vous vendrons tout le siège, mais vous n'utiliserez que le bord. Soyez là, dimanche, dimanche, dimanche. Putain, il est en forme là. Ok, donc là j'allais voir l'autre. Oh, Captain Quig. Pour la simple et bonne raison qu'elle fait des costumes, donc c'est à elle qu'il faut que je le demande. Jojo a remporté le trophée du scepticisme. Hop, elle retourne. Mais il refusait de le croire. Où est-ce que c'est tissu polyester ? C'est là. Peut-être serait-il judicieux de lui parler. Ah oui. Salut Jimmy, je suis de retour. Oh, bonjour Larry. Du nouveau depuis tout à l'heure ? Rien, malheureusement. Depuis tout à l'heure, putain, t'as passé une nuit dehors. Jimmy, chérie, ça y est, j'ai trouvé. La solution à ton problème est devant tes yeux. Tout blanc et pas trop brillant. Léger mais résistant. Artificiel et anti-pli. Toi ? Quoi ? Ah non, pas moi, le polyester. Mon costume, ça marche pour moi, c'est un look classique. Il a réussi tous les tests, on n'a jamais fait mieux. Quoi ? Ah ouais, super. Remarque, le rétro s'est branché. Et la mode a déjà proposé des choses plus folles. Et vraiment, quand on y réfléchit, la mode ne se résume-t-elle pas à convaincre les gens que des vieilles idées sont nouvelles ? C'est exactement ça. Pousser les gens à désirer la merde qu'ils viennent de jeter. Sacre bleu, Larry, ça pourrait marcher. Et le meilleur, c'est que je vais pouvoir ridiculiser ce trou du cul de Calvin Claude. Oui, oui, ça marche. Oh, mais attends, c'est impossible. Nous sommes au beau milieu de l'océan ici. La presse est déjà à bord. Oh, j'ai pas de tissu polyester. Bien, je pourrais faxer une commande pour le faire livrer par hélicoptère. Oh, non, pas possible. Mais mes meilleures couturières sont ici. Non, elles sont là pour les retouches de dernière minute. Oh, elles pourront jamais coudre une collection entière en une nuit sans tissu. Peut-être l'année prochaine. Si j'ai une année prochaine. Ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, jeune femme. Enfin, jeune, t'es la plus vieille, c'est pas grave. Tiens, Jimmy, j'arrive tout droit du magasin. J'ai trouvé ce tissu. Ça alors, c'est génial. Et maintenant, déshabille-toi. Les choses prennent une tournure inespérée. Mmh. Bon, ok, mais tu me respecteras encore demain matin. Hein? Bouge-toi le cul. J'ai pas le temps de discuter, j'ai besoin de ce costume pour un patron. Ah, mais je pensais que... Enfin... Et donne-moi ces sous-vêtements aussi. Quoi ? Oh non, mais pourquoi ? Mais j'ai pas le temps d'expliquer. Oh non, mais ça commence. Le mec se trouve encore une fois à poil. Ah, oh, voici ma chambre. Oh, cette fois j'ai réussi. Il se prend toujours avec des trucs pas possibles. Secoue-moi les branches. Oh non. Visiblement, quelqu'un a déjà secoué cette pauvre petite brindille. Un seul fils de pute de merde, je suis sur internet. Oh mon dieu. Donc, maintenant que c'est fait, je pense qu'on va y retourner. Hein. Ah oui, je vais vous montrer un truc, tu sais. Ah, faire ça. Bonne idée. Fais tout à la fois. Quoi ? Pas sans t'essuyer ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu vas mettre ? Ton costume ? Oh non.
Le PQ qui arrache le cul. Waouh, on a du papier de verre. Évidemment. Non, Larry. Ça. Voilà, donc on sait qui chie les poissons maintenant. Alors, je vais retourner évidemment. S'il vous plaît. Brian vient de remporter la partie pêche à la mouche de la compétition. D'accord, plus il y a un vilain. La salle de bal est fermée. Larry, retrouve-moi dans les coulisses, Jenny. D'accord, enfin. Hop. Voilà. Laissez celle-ci ouverte. Jimmy. Jimmy Lee. Encore un peu. Oh, cette fois-ci, je vais y arriver, c'est sûr. Bientôt, sur cette antenne, dans Affaires internes, le bateau du désir. Va-t-il appareiller près de chez vous? Bientôt, sur cette antenne. Putain, le mec a vraiment pas de bol, quoi. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Donc, maintenant, il me reste plus qu'à faire, du coup, vu que maintenant, c'est redevenu à la mode, si je retourne au concours, cette fois-ci, le concours sera validé. Ah, logique. Le concours qui était ici. Voyons voir ce... Ouais, drôle d'endroit pour cacher un lecteur de cartes. Voilà, du coup, maintenant, je suis branché. Je suis revenu à la mode. On paraît que ça va faire un repopette après. Votre score est... 100. Waouh, 100. Un score parfait. Oh, cool. Waouh, quel bon coup. Ah, c'est amusant. Tu n'as pas bougé d'un poil. Et pourtant, tu corresponds à présent exactement à la toute dernière tendance mode. Mais donne quelques mois à ces couturiers et tu redeviendras un ringard très vite. Voilà, donc maintenant qu'on y est. Larry Laffaire vient de gagner le concours d'élégance. Parce que maintenant qu'on y est, qu'on arrive à notre demi-heure, je ne vais pas prendre tout de suite la suite. Je vais donc m'arrêter ici. Je retourne à ma chambre quand même. Enfin, dans la. Où est-ce que c'est déjà ce plan? À la cabine 0. Hop là. Ah, les mers calmes. Oh. Dès que ça tangue, en fait, ça tombe sur les côtés. Et dès que c'est calme, ça y tombe aussi. Bref. Alors, en même temps, il est con, il pouvait pas le déplacer comme ça, non. Enfin, bon. On va s'arrêter ici. J'enregistre le jeu. Donc, j'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, mais voilà, je suis un peu fatigué quand même. J'ai fait un live hier, j'ai un petit peu crevé. Donc voilà. Ceci explique cela. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à plus tard. Allez, ciao!